jour, j'ai eu une idée. Un jour, j'ai eu une idée. Un jour, j'ai eu une idée. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle là? Me suis-je demandé. Que fait-on avec une idée? Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Elle semblait un peu étrange et fragile. Je ne savais pas quoi en faire. Alors je l'ai laissée dans son coin. J'ai fait comme si elle ne m'appartenait pas. Mais elle m'a suivie. J'avais peur de la réaction des gens. Qu'allaient-ils penser d'elle? Je l'ai gardée pour moi, je l'ai cachée et je n'en ai parlé à personne. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé depuis qu'elle avait surgi. Pourtant, mon idée semblait avoir un pouvoir magique. Je voyais bien que je me sentais mieux et que j'étais plus heureux quand elle m'accompagnait. Elle avait besoin d'être nourrie, elle avait besoin de jouer. À vrai dire, elle réclamait beaucoup d'attention. Elle a pris de plus en plus de place et nous sommes devenus amis. Je l'ai présentée à d'autres personnes, même si j'avais peur de leurs commentaires. Je craignais que les gens se moquent d'elle s'ils la voyaient. Je craignais qu'ils disent que c'était une idée folle. Et plusieurs d'entre eux l'ont fait. Ils ont dit que c'était une mauvaise idée. Ils ont dit qu'elle était bizarre. Ils ont dit que je perdais mon temps et que mon idée ne mènerait jamais nulle part. Et au début, je les ai crus. J'ai même pensé à abandonner mon idée. J'ai failli leur donner raison. Puis j'ai songé. Comment savent-ils au juste? Après tout, c'est mon idée. Personne ne la connaît aussi bien que moi. Et peu importe qu'elle soit différente et bizarre, et peut-être un peu folle. J'ai décidé de la protéger, d'en prendre soin. Je l'ai bien nourrie, j'ai travaillé avec elle, j'ai joué avec elle. Mais surtout, je lui ai accordé toute mon attention. Mon idée a grandi et grandi. Encore et plus elle grandissait, plus je l'aimais. Je lui ai construit une maison sans toit pour qu'elle puisse contempler les étoiles, un endroit où elle pouvait rêver à sa guise. J'aimais passer du temps avec mon idée. Je me sentais plus vivant avec elle. J'avais la sensation de pouvoir faire tout ce que je voulais. Elle m'a poussé à aller plus loin et puis plus loin encore. Elle partageait ses secrets avec moi. Elle m'a appris à marcher sur les mains. Parce que c'est bien de voir les choses différemment, m'a-t-elle expliqué. Je n'imaginais plus vivre sans elle. Et puis un jour, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Mon idée s'est transformée sous mes yeux. Elle a déployé ses ailes, elle a pris son envol et elle a envahi le ciel. Je ne savais pas trop comment décrire ce qu'il se passait, mais c'était comme si avant elle était à mes côtés et maintenant elle était partout. Elle n'était plus uniquement à moi, elle était à l'univers tout entier. Et alors, j'ai compris ce qu'on fait avec une idée. On change le monde.